Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Final Fantasy XIV. Et on s'était donc laissé avant de parler à monsieur, à des réfugiés. Si je peux sélectionner le bon, ce serait bien. Et ben on va tout simplement continuer la quête histoire. Allez, c'est parti. Attaquer, je connais pas ce terme-là. Les chocobos sentent mauvais alors. C'est bon à savoir. Donc, la taverne, je suppose que c'est là, en effet. Ça, je pense que monsieur n'a pas besoin d'être au courant pour ça, pour ce petit problème. Ouais, il est tout près. Ah non, j'allais dire que je pensais qu'il était tout près de la caravane, mais non, c'est juste qu'il faut qu'on le mate sur le chocobo, tout simplement. J'avoue que là. À vérifier, hein. J'espère. En effet, c'est une très bonne idée. Ce sera pratique pour la personne âgée. Alors. Monsieur est là au bout. Ah, c'est jamais évident, hein. Surtout quand on est expulsé de chez nous quasiment. Tant que je dois faire qu'une seule fois le voyage, ça va. Commencez pas à abuser. Il est gentil, mais... On pousse pas bobonne.
Bon. Donc là-bas. Pas bien traiter les casques de cuivre, je sais plus comment ils appellent. Les lames de cuivre, voilà. Elle est où? Ah ouais, quand même. Oui, j'ai la flemme, je sais. Mais c'est pas grave, j'assume. C'est vrai qu'on a déjà eu... enfin, un problème avec l'un ou l'autre des lames de cuivre, mais pas tous, quoi, quand même. Pas bien, ça. Comme si on était la seule personne de confiance, franchement. Elle, là, à gauche, ok. Top. Bonjour toi bec marteau. T'as un peu trop fait pour moi. Oh, un œil errant. Une lame de cuivre aurait pu aisément s'en occuper. Encore que. Ah, maintenant vous savez que c'est le cheval de dame. Hein. Je vais rien dire, oui, dans le pour pas vous spoil. Ça aurait été bête. L'enterre est quasiment vide, comme d'habitude, c'est cool. Même en Eorzea, ils ont ce type de. Remarque. Non, pas remarque. Oh, ce genre de phrase. Oh, y'a derrière. Qui sait? T'as eu du mal hein, nous à l'air posé. C'est un secret. Aucune de ces réponses. Alors non, ils sont pas tous aussi forts que moi. Ça va être difficile d'ailleurs. Entraîne.
En soi, le level up, c'est de l'entraînement, hein. Bonne chance. J'espère que vous ne rencontrez pas quand même les mêmes problèmes que moi j'ai eu. Seulement ceux de masse, c'est pas bien ça. On protège tout le monde. Mais oui, je vais vous accompagner. Si vous arrivez à quelque chose, je sens que Dame Ugri me truciderait. Nécessairement faire le voyage de temps en temps en calèche, c'est cool. Ah oui, je vais peut-être me mettre aussi dans le bon canal. Alors, on est où ici? Quasiment Hilda. Ok, il faut donc aller à Hilda. Alors on va rentrer par le chemin d'Ulda habituel. Ah non, habituel justement. Et voilà. Donc on est tout en bas, quasiment, ouais. Donc ce TP... il est où le TP? Voilà. Là au bout. Parfait. Et on va prendre la Gilda tout simplement. J'espère que je me suis pas trompé. Je pense que j'ai pris les terrines de base. Je crois que j'ai fait le con. Et j'ai fait le con! Et... on est parti pour un TP. Voilà, là on est au bon endroit. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Sans souci, sans souci. Bon bah, on va regarder un revenant, hein, tout simplement. On se dépêche. C'est pas faux.
Depuis peu, en effet. Non, non, le quartier général est secret, je peux pas t'y amener. Allez hop, la mission nous le demande, on va le faire, tout simplement. Je pense pas que le quartier vraiment soit secret maintenant. En plus là dans un bar. Pas loupé nous alors qu'on passe hein. Ah non c'est vrai qu'on est plus secret maintenant. On est devenu une organisation officielle. C'est vrai, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Allume une filière. Ah oui, c'est vrai que ça devient inquiétant. Généreux en effet. C'est bien tout ça. Alors, les petits plats dans les grands. Parfait. Évidemment, c'est bien entendu les femmes qui vont cuisiner. Désolé pour cette remarque macho. C'est surtout qu'elle l'a donné à deux femmes, c'est surtout par ça que je le dis. Bon, on est porteur cette fois-ci. Et Alice, ça doit être celle qui est juste à l'extérieur du refuge, si je me trompe pas. Hello. Trois assiettes.
Alors, où est le banquet? Là. Ah, les caravanes sont arrivées, parfait. Comme quoi. Alors, lit de vipère. Je savais pas que j'étais une dresseuse de combat. De cobra, voilà, je vais y arriver. Alors, tu fais partie des hautes sphères de la guilde, tu sais même pas qui je suis. Attention, hein. Sans souci, sans souci. C'est par où? Je suis en train de me perdre, moi. Génial. Voilà. Ah, la monture mug. Donc, la première est là. Ah, il y aura 6 zones à faire, ok. La zone est encore ouverte, je suppose que la deuxième se trouve dans les environs. Ah, ah, j'ai vu quelque chose. Non, j'ai cru. Là. J'ai tout le tour pour rien, hein, mais bon. Voilà. Encore 4. Allez. Je me tue, même si c'est vraiment pas grave. Ah. Effrite totalement paralysé. Voilà, Effrite est revenu au combat. Ok, ça c'est fait. La suite doit être par là. Là, j'aurais bien imaginé là. Bah bon, c'est pas grave, c'est là. Désolé. Ah,
Et la dernière zone. Toujours aussi beau dans les environs, hein, franchement. C'est une zone que j'apprécie énormément. Mister Cobra. En fait, on est où? On est là. Se trouver le deuxième. J'essaie de rester dans la zone hein, parce que en sortie ça va pas le faire. Je suis déjà un peu à l'extérieur là. Comme je peux aller par là. Ah, je crois qu'on l'a trouvé. Il était pas loin en fait. De ce qu'on avait vu tout à l'heure. Dernier cobra et on aura terminé avec ça. Voilà. On va retourner au glas maintenant. Ouh, ça fait longtemps cette monture. Ok. C'était pas à l'intérieur, c'était plus haut. C'était là, juste en face de moi, comme d'habitude. De rien pour les cobras. Avec quelqu'un les élimine, hein. Autant que le travail soit bien fait, donc automatiquement c'est moi qui dois le faire. Ouais, pourquoi pas au niveau de la caméra? Fort encore. Douda, ashidori wa tsukameta ka? Eh, omotta tori. 犯人は海賊団、海蛇の下の連中ね。やはりそうか。こっちに何か動きはあった？いや、静かなものさ。アマルジャ族は時折フリートを召喚しているが、
ため込んでいたクリスタルを使っているようだ。ウリエンジェからも目立った動きは報告されてない。決まりね。どういうこと？ここ最近頻発していたザナラーンのクリスタルの消失、当初はアマルジャ族に流れていると思っていたわ。でも実際には流れていた先は海の向こう、バイルブランド島だった。ラノシアに？確かにしばらくおとなしかったサハギン族がここに来て活発に動いているという情報があるけど、まさか万神リヴァイアさんを召喚しようとしているの？残念だけどその通りよ。先のアマジナ鉱山社の事件を追ううちに海賊の関連を匂わせる証拠を見つけたの。そこで私はリムサロミンサに行って調査をしていた。国家団の調査隊に同行した結果、サハギン族による万神リヴァイアさんの召喚は目前に迫っているとの結論に達したわ。そして奴らは不滅なるものという何かしらの力を手に入れている。ワドレターニテ、このエーテルの乱れ想像以上ね。やはり神下ろしの準備を。うっせ、全ての準備は整った。我らが神を招き、ヒレナシどもを一掃する。そしてこの力を解き放って不滅なるものへと昇華し、あの方と同じ永遠なる時を手に入れる。我らの海を取り戻す時が来たのだ。ふわっしゃあの方、不滅なるものとは一体。ここまでか。不滅なるもの、まさか。二人とも大丈夫？今、あなたも見たのね。不滅なるもの、永遠の時、つまりは不死の存在。おそらく白き衣のアシエン、アシエン・エルディブスが言っていたことよ。だとしたら、あのサハギン族は超える力を持っているというの？メルウィブ提督から万神リヴァイアさん召喚の阻止、それに万が一の事態に備えて暁の力を借りたいと申し出があったわ。万神問題となれば断る理由はありません。リムサロミンサへ向かいましょう。私も行きます。タダルさん、ルスをお願いね。Elle sort du refuge. Elle le fait jamais. おいおい、本気かミンフィリア。どうしても確かめなくてはならないことがあるの。答えがあるのかもしれない。超える力の真なる能力の。仕方ない、俺も行こう。
もしもの時には名主様は俺が守るさ。ありがとう、サンクレット。何か起きたようだな。ええ、エオルゼを脅かしている旧敵万神が現れようとしているのよ。万神、私たち暁の決命はその敵を排除するために動いている。この地を救済するためにね。ならば私も力を貸そう。皆には世話になっている。少しでも恩を返したい。幸い腕には少し自信がある。Tu sais pas c'est quoi, Primordial, tu risques de te sacrer pour surprise, Yugiri. Cela va t'asker, va. Watashi tachi ni wa sukoshi demo senryoku ga hitsuyou na no. Sore ni anata ni totte mo Eorzea ga kakaeru mondai o shiru ii kikai ni naru kamoshirenai wa ne. Après, elle sait peut-être ce que c'est, mais ils ont peut-être un autre terme pour, lui, pour les désigner. Hein. Donc, bah, on continuera l'histoire lors du prochain épisode, bien entendu. Et d'ici là, comme à chaque fois, prenez soin de vous!